Bon, a commencé 05. C'était, bon, je me rappelle plus de la date, mais c'était un jeudi, plutôt de travail, quand ma chérie m'a appelé, que le quartier a bouffé. C'est ça qu'elle a. Ça a commencé là. Ça a commencé ici, ça a déclenché quand on parlait là-bas. Les pompiers étaient là, mais bon, comme le quartier, il n'y avait pas trop d'espace aussi. Bon, avec le fort, ils ont pu faire quelque chose. Et puis les jeunes du quartier aussi nous aider et bien faire ça qu'elle a. Moi, j'habitais là. J'ai tout perdu en tout cas. Tout. On a tout perdu. Les voisins du quartier, tout perdu. Ah, on n'a pas pu récupérer quelque chose. Non, non. Même une seule chemise. Non. Bon, chemise, on peut dire, ma chérie a pris deux chemises. Elle est préparée quand ça a commencé. Donc elle a pu récupérer quelques chemises, c'est ça. Et elle-même, est-ce qu'elle a pu récupérer ses affaires? Bon, oui, elle a pris quelques vêtements, c'est tout, c'est tout. À part ça, télé, les postes, trucs de mes frères, tout, elle a essayé, les jugements, tout, en tout cas, tout. Vous avez des enfants? Non, non. Malheureusement, elle n'a pas enfant. Mais là, j'ai un grand frère, lui, il habitait juste à côté ici. Lui-même, il n'a pas pris quelque chose. Rien, rien. Ses enfants seulement, elle a pris plus. C'est un peu ça. D'accord, il y a environ combien de groupes qui sont partis en Ukraine? Je sais pas. Pourquoi ça vaut? Ça vaut 30 ans. Ça vaut au moins 30 ans. Ça vaut 30 ans. Ouais. 30. Ouais, de là jusqu'à ça vaut 30. De passer même sur ce. Est-ce que il y a eu des personnes qui sont restées? Non. Actuellement, comment est-ce que vous faites? Bon, comme Dieu aussi n'oublie pas ses enfants, que si on dort chez un frère, on dort là-bas, on n'est pas à l'aise, mais on est obligé de faire avec, parce que c'est la volonté de Dieu, on nous devient. On dort chez un frère, mais ça va, ça va. Sinon, il y en a, ils dorment dans les églises, il y en a, ils sont partis au village, parce qu'il n'y a pas d'endroit où dormir. Il y en a qui sont dans les églises, il y en a qui sont partis au village. C'est tout ça. D'accord. Merci. Ouais, merci. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Bon, c'est une dame, elle partait se laver dans la mue, ma joue. Bon, comme elle partait se laver, elle pensait qu'elle avait diminué, comment dirais-je, le gaz. Déjà, le gaz n'était pas diminué. Donc, quand elle était dans la douche, c'est là la femme a commencé. Elle-même n'a pas pu prendre quelque chose. C'est pas qu'elle a envoyé dans la douche, c'est ça seulement qui est resté seul. Donc le feu a commencé pour là jusqu'au bord. C'est ce qui a créé, donc c'est le gaz qui a créé l'incendie. D'accord. Que monsieur? Le monsieur qui a parlé. Le monsieur qui a mis le pied avec la main de pied. Si on ne peut pas rentrer ici, qu'un pilote comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a l'incendie là? Depuis la deuxième fois, t'es là. Tout d'un coup, matin, les gens commencent à courir de partout, de gauche à droite. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment ils sont sortis directement de la maison. Là, mon demandeur, il m'a dit que ma maison, tout a brûlé. Il a seulement mon sac. Mon sac, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non, ce
ils n'ont qu'à nous appeler. Ils n'ont qu'à nous appeler parce qu'on on s'est pris pour parti. Ma maison, tout mon garçon, tout a brûlé. Il n'a plus rien. Pardonnez. Matosa, aidez-nous. Aidez-nous. Monsieur le Président, vous nous aidez. Pardon. Vous nous aidez. Aidez-nous. Pardon. Pardon. Moi, le cœur est marré aussi. Venez vous un peu de notre quartier ici. Tout est brûlé. Même savon, il n'y a même plus de savon. Tout est brûlé. Pardon. Essayez un peu de nous aider. Il y a combien de coups là, il y a 202 pères de famille qui ont perdu tout leur pièce. Je vais vous donner la liste là tout de suite.